Et bonjour YouTube et bonsoir le stream. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Need for Speed Payback. Et oui, je suis au volant d'une Nissan 350Z. Nissan 350Z que j'ai acheté pour la course. J'en avais acheté une aussi pour le drift, mais finalement ça n'a abouti à rien de ouf. Donc je l'ai vendue, tout simplement. Et du coup, j'ai un petit peu joué en off. Tout simplement pour voilà, pour acheter des voitures, refaire quelques petites épreuves à la con et tout. J'ai pas avancé. Je suis pas allé chercher les épaves et compagnie. Ça, vraiment, je voulais qu'on se le réserve pour voilà, pour nous. Mais voilà, j'ai fait ma petite vie, j'ai pimpé des bagnoles et compagnie. Enfin voilà, j'ai fait une connerie. Il faut savoir que quand admettons si cette 350Z elle me plaît pas, je l'ai équipée, il y a des pièces dessus et tout. Mais si admettons je décide d'enlever les pièces avant de vendre la voiture, bah déjà tous les accessoires que j'ai achetés pour la voiture, ils seront vendus automatiquement avec la voiture. Et toutes les pièces, même si je les ai déséquipées, seront vendues aussi. Donc même si j'ai une voiture dans mon garage qui est en course, elle ne pourra pas avoir les pièces que du coup j'ai lootées pour la 350Z. Et j'ai fait la connerie du coup de vendre deux voitures et donc de perdre deux sets d'équipements que j'aurais pu démanteler pour récupérer des pièces, pour échanger tout ça, tout ça. Donc voilà. C'était un peu mon erreur. Mais bon, sur cet épisode, on va se concentrer sur les épaves. Alors bon, désolé si de temps en temps je crispe un petit peu des dents. Je vais essayer de ne pas faire de pas me faire entendre du point de vue de la douleur. Parce que je me suis littéralement niqué le genou aujourd'hui. Mais genre vraiment. Je ne sais pas si c'est juste la rotule ou si c'est les ligaments qui sont trop étirés ou j'en sais rien. Mais voilà, fatigué parce que ma voisine fout le bordel depuis 3 jours. Je suis mal tombé et j'ai fait un mauvais mouvement. Et j'étais quasiment à froid et je me suis niqué et voilà. Bref, j'ai vu aussi oui que pour les épaves, il faudra attendre un certain chapitre pour pouvoir racheter en concessionnaire les voitures qu'on a déjà assemblées. Donc par exemple la 240ZG, celle-là, je pourrais la racheter au concessionnaire mais sous différentes classes pour l'avoir en plusieurs exemplaires. Ce qui peut être très intéressant. Mais enfin bref, on va se concentrer sur, bah, sur ça déjà. Ok, le rond-point, la triple voie. Et un chemin qui passe à travers. Alors je dirais que ce serait plutôt en ville. Bah je dirais que c'est là, non? Par là en tout cas. Il faut voir si ça fait comme si c'est aussi prononcé. Ouais c'est ça, c'est dans le coin. Ok. Bon je l'ai trouvé. Sans trop de difficultés, il faut le dire. Et du coup, bon, on va y aller avec le 250Z. La 350Z, pardon. Oui, parce qu'en plus de ça, oui, je suis ultra fatigué. Je suis au bout de ma vie. Et là, je devrais dormir, justement, pour récupérer. Sauf que, évidemment, le sommeil ne vient pas. Ok, tout droit, zigzag, ok, pas de problème. Je renquille et après ce sera pas loin, ok. Et je pense même que ce serait plutôt même par là. Et ça m'étonnerait même pas que ça soit genre là, parce que c'est généralement les trucs sont en hauteur. Ok, bref, on verra bien. Alors oui, alors bizarrement, la 350Z pour le drift, c'était une grosse merde. Je l'ai testé tout, j'étais dégoûté. Ah oui, les caisses à appât, on a vu que c'était pas mal, mais j'ai pas le temps. Là, on va vraiment se concentrer sur les épaves. Voilà, bon, ouais, voilà, je suis aux fraises. Hein. Là, je suis littéralement aux fraises. En fait, je vois rien. Pour tout vous dire, là, je vois. J'ai du mal à interpréter ce qui se passe à l'image. Ok. Oh là là. Ah oui. Alors, en plus, il faut savoir que la 350Z, je l'ai upgrade là méchamment. D'ailleurs, là, elle est à 263. Elle est sur vénère. Et je l'ai upgrade juste avant de quitter quand j'ai joué. Bah, j'ai joué au début de journée. Je l'ai légèrement baissé au niveau des suspensions parce que je trouvais qu'elle driftait très mal. Ouh, là il y a un petit jeton de ses morts là. Comment je peux faire pour la voir? Faudrait que je passe par derrière. Faudrait que je passe par là-haut. D'accord, bon, je sais qu'au bout de ce chemin il y a un jeton. Bon, on.
ça m'étonnerait pas que du coup ça soit en hauteur. On va rouler par là. Ah, faut que je me remette dedans. Ok, il y a une pièce par là, mais c'est... Voilà. J'ai le son qui bip à droite. Oh là là, mais je... Oh non, non, mais je vois rien, je suis désolé. Attendez, faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Vous avez peut-être remarqué, j'ai essayé de trouver une nouvelle playlist pour vous faire plaisir. Mais c'est pas évident de trouver des playlists libres de droit qui sortent du délire house, techno, dubstep et compagnie. Ok, bon, moi je dirais que c'est par là quand même. Hein. Allez là, yes. Bah, elle est pile là où je voulais passer en plus, c'est génial. Et vous savez ce qu'on va faire? On va trouver toutes les épaves et après on va se concentrer sur les pièces. Comme ça, même si je me balade un peu en mode random, j'ai des chances de croiser, de tomber sur les endroits où il y a des pièces. Elle provient d'une Bel Air 55. Jolie. Alors c'est pas du tout mon kiff ces bagnoles, mais bon, ok. De toute façon là, les trois épaves qu'on va récupérer, en vrai je suis dégoûté, hein. C'est de la merde. Hein. J'ai cru que j'allais le louper, hein. J'en aurais été capable. Hein. Et vous savez quoi, histoire de me réveiller, on va faire le run de vitesse. Faut que je me réveille. Non mais en vrai là... Alors oui, il y avait un skin aussi pour la 350Z. Le mec il s'est fait chier à faire une caisse, mais elle était trop belle. Je l'ai le skin. Faudrait que je vous le montre. Genre dans un délire Pikachu et tout, elle est magnifique. Alors je l'avais mis pour la voiture drift évidemment, je l'ai pour la course, je me suis dit, ouais, il faut un truc un peu plus sérieux. Oh là là, mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bon, j'ai eu qu'une étoile évidemment parce que je me suis craqué comme pas possible. Ok, bon, les panneaux sont pingés sur la map, c'est pas le truc le plus dur à faire. Je vais baisser un peu le son du jeu. Je m'entends parler, que j'évite de gueuler. Oui, parce que j'ai remarqué que vous m'entendez beaucoup quand même par rapport au son. Je vais augmenter le son du jeu un peu. Voilà. Non, parce que du coup, hier, on a fait le cast hier soir de la conférence PS5. Et j'ai remarqué que bon, effectivement, au niveau du son, c'était audible, mais c'était pas parfait non plus, quoi. Ok. Ok, donc faut que je cherche une sorte de double voie. Cet endroit me dit quelque chose en plus. Une sorte de double voie qui serpente, qui fait un L à l'envers. Oh mais oui, mais... Mais attends, mais c'est... Il n'y avait pas une épave pas loin à trouver la dernière fois? Parce que le sort de U là qui passe dans le L inversé en haut là... Je sais que j'ai fait un focus sur ça. Merde, je me rappelle plus. Oh merde, alors par contre, là va falloir que je trouve. Alors le L inversé en double voie. Bah, ça va pas être ça. Ça sera pas ça. Alors faut que je cherche des doubles voies. Alors ça va pas être ça non plus. Putain merde, mais je suis amnésique. Et ce fameux U là qui passe dans la route. Eh bah si, c'est ça. Ah mais il le considère comme une double voie. Ok. Ouais, bah ça serait par là. Hein, si je me trompe pas. Ok, go. Oui, donc petit à petit, je vais vous montrer toutes les bagnoles que j'ai achetées. Et j'ai aussi amélioré la. Merde, la Honda Civic. Pour le tout-terrain. Je me suis fait ce petit kiff. Alors, je suis censé aller par où là? Bah tout droit en fait. Ouais, tant pis pour les caisses à appart, hein, c'est pas bien grave.
Bon, au moins, le fait de checker les épaves et tout, ça va me réveiller. Petit à petit, la machine va se mettre en route. Derrière, on pourra faire des petites épreuves. Oh oui, non mais oh, j'ai zéro anticipation, ma vie est nulle. Hein. Ok, ça bip à gauche. Oh bah c'est juste là. Nickel. Ok, je galère beaucoup moins quand même. Hein. Je galère beaucoup moins à les trouver. Ça vient d'une vraie Beetle. Bon, les Beetles. Alors ça vraiment, les Beetles, c'est vraiment des voitures que je déteste. Hein. MDR, la zone de drift. Hein. Mais bordel. Bon, en même temps, c'est pas une tout-terrain, donc c'est pas surprenant, mais... Oh là là, bah rip. On va la refaire. Non, non, vraiment, là, faut que je me réveille. Hein. C'est impératif. Bon, là, je suis pas avec une tout-terrain, donc forcément, c'est chiant. Mais bon, je vais moins vite. Ça me met en condition. En fait, là, j'ai des pièces surabusées, mais il n'y a pas beaucoup de bonus sur les pièces. Parce que je les ai... la plupart, je les ai achetées. Je les ai pas eu en échange. C'est quoi, nique les multiplicateurs. Ok, 2 étoiles. Bon, ça va, c'est correct. Je vais pas tryhard plus parce que... Ah, oh, allez, on va le tester en montant. Bon, on a beaucoup de pièces d'épave. À trouver. Ça va être compliqué. 45 000, oh, c'est faisable. Hein. Si je fais pas de la merde comme ça. Ouais, non. Non, c'est le pire choix. Allez, hop, on oublie. Hein. Alors. Ok, alors celui-là va peut-être être un peu plus chiant à trouver. Putain, mais ça me parle en plus. Je commence à la connaître, la map. Alors, on a une double voie, un chemin qui passe, qui serpente un peu. Beaucoup de petites routes à la con. Mais ça, ce serait à droite de la map. Ce serait genre par là. Ouais, c'est totalement ça. Mais en fait, j'ai l'impression que les épaves sont toujours à peu près au même endroit. Space. Ok. Donc par là. Et la manière la plus rapide d'y aller, ce serait de partir. Parce que la dernière fois, je m'étais fait avoir. Ce serait par là. Et de descendre pour revenir. Ou alors je prends une tout-terrain directe. Vas-y, je vais prendre la tout-terrain. Ça sera moins vénère, ce sera mieux pour mettre dedans. Comme ça, je vais vous montrer les bagnoles. Ok, donc on a la 350Z. Donc ça, je l'ai, ça, je l'ai. Ça, on l'a vu aussi. En vrai, celle-là, pour le drift, elle est juste sur OP. La Honda Civic, que du coup, j'ai un petit peu upgrade et que j'ai... bah oui, j'ai mis des pièces dessus. Du coup, alors, il y en a une que j'ai vendue. Alors, j'ai vendu la Audi de la meuf pour les quêtes missions. Parce qu'elle m'intéressait pas du tout. Alors j'ai vendu aussi la RX7, mais pour la course. Je l'ai vendu aussi. Voilà, donc j'ai vendu 3 voitures en tout. Et j'ai vu qu'on avait débloqué des nouvelles upgrades, mais on fera ça plus tard. Ou au pire, je le ferai en off, hein, parce que moi je prends du temps et tout, donc je suis un peu cancer avec ça.
Ok, donc là faut descendre. D'ailleurs il faut que je passe dans les magasins de tuning hein, régulièrement pour voir si je peux pas m'acheter des pièces. Parce qu'en vrai j'ai de l'argent. Mais j'ai pas l'impression que l'argent soit un réel problème. Ah, la petite Honda Civic, elle est toute belle. Et là, faut que je tourne. C'est ça? Ah mais, je comprends pas le comportement de ma voiture. Ah non, c'est pas du tout là qu'il faut que je tourne. Mais pas du tout. Ok. Oula, 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 oula. Ah oui, non, mais là, en fait, mes voitures, je les ai surboostées. Et du coup, j'ai plus du tout... J'ai plus du tout l'habitude. Ouais, donc là, faut que je tourne à droite. Quel enfer. Putain, course 248, je pourrais presque me le faire. Bon, pas avec cette voiture, évidemment, mais... Ce panneau, on l'a fait, ok. Bon, allez, là, il va y avoir des virages sympas. En profiter. Alors ce qui est cool c'est que maintenant voilà on a les zones de drift et tout, c'est bon, j'ai évidemment pas la voiture pour le faire. Ah oui non mais j'ai déjà eu les 3 étoiles pour celui-là. Ok. Ouais donc ça sert à rien que je le tryhard. Je le fais pour le faire. Hein. Je vous déteste. Voilà. Allez hop. On n'en parle plus. Hein. Ouais, j'ai pas la voiture pour. Ok, bon, je peux. L'avantage, c'est que je peux remonter par là. Donc là, il va falloir que je tourne à gauche. Ok. Mais il faut penser ouais à régler tout ce qui est suspension compagnie, ça c'est un truc que j'ai pas trop fait sur les voitures. Ah merde. Ouais donc ok là faut que je tourne. Oh là là, mais ouais non mais les gars. En même temps j'ai l'impression de me prendre les pires obstacles de l'univers. Aïe, voilà, j'ai un peu crispé du genou là. Ça d'un coup j'accélérais plus. J'ai voulu détendre la jambe. L'erreur. Ok, ça dit pas droite. Oh le jeton de ses morts. Il est là tranquillement, il nous attend. Ok, et là, d'accord, bon ça va, celui-là est simple. Hop et boum. Ah mais c'est pour une pièce. C'est pas la carcasse. Oh ok, c'est une pièce, c'était pas pour la carcasse. Hop là, hein. Ça c'est fait. Hein. Oh bah nickel, j'ai une pièce. Comme quoi je vous l'avais dit. Hein. Aléatoirement, on va tomber sur plein de pièces. Enfin, peut-être pas plein, mais. Mais compris quoi. Attends, je vais voir le panorama. Ouais, ok, donc ça semble bien en hauteur. Donc ça veut dire que je suis baisé là. Ouais, faut que je suive le chemin, faut que je monte. J'aurais pu faire mieux.
Ok, c'est à gauche, donc ça veut dire que c'est au-dessus. Putain, mais... Pourquoi j'ai l'impression que mes voitures ne tournent plus? C'est mon joystick qui bug ou c'est moi qui fais de la merde? Bon, vas-y, genre, je peux pas passer là, quoi. Tu vas me dire que je peux pas passer là? Eh ben non. Oh, elle est éclatée, ma voiture. Très bien. Bon ben maintenant ça va être la partie rigolote. Hein. Ça va être la partie rigolote. Donc 0 sur 4, ok. Donc j'essaie de cibler à peu près les mêmes endroits, enfin les mêmes zones. Mais attends, mais on était à côté. Vous foutez de ma gueule? On était à côté? On est à côté? Oh là là. Oh, mais on est carrément à côté. Attends, quoi? Attends. Il me dit quoi pour celui-là? Ok. Donc par là. Donc demi-tour. Il y aura rien au bout de ce chemin là. Non, rien du tout. Oh, j'aurais pu passer en dessous. On va peut-être retenter le saut, non? Non, mais comment vous voulez que je le gère? En fait, il faudrait que je sorte d'un drift sur vénère. Non, mais c'est improbable. Ah! Oh oui, non, le jeu m'aide carrément. Hein. D'accord, ouais, le jeu m'aide carrément. Même quand on l'entend pas, il te montre l'icône de loin. Ok, ensuite. Donc ça, c'est pas du tout par là. Ça, je dirais que c'est par là. Hein. Ah, et on a le fameux cours d'eau. Il y en avait qu'un seul cours d'eau, je crois. Ok, donc une sorte de... Ouais. Et le fameux cours d'eau, il était là-haut. Hein. Alors, il faut... Ouais, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Ok, donc à partir de ça... Là, d'accord. Donc par là. Et la galère, c'est que la dernière fois, on avait fait la même, sauf que là, on peut pas passer. Donc, soit je fais le full demi... Ok, ouais, je vais passer par là. Faut que je tourne là. Pour aller par là. Ouais, je peux pas mettre l'itinéraire, vraiment. Ok, bon. Je vais me démerder avec ça. Déjà, on va regarder un peu au niveau des pièces. Ouais, donc avec lui, j'avais un triple Chidori. Un meilleur échappement, ce serait bien. Mais qui me donne un boost de saut, c'est pas ouf. Bon, c'est quand même mieux que ce que j'ai.
Ok, une meilleure transmission. Ah, le calculateur est pas dégueu, hein. Ok, donc j'ai dit une transmission. Ouais, mais niveau transmission, c'est pas ouf. Ah, remarque, j'ai que niveau 5. Ouais, moins de nitro. Je sais pas si c'est ouf. Turbo niveau 8. Ouais, c'est pas ouf ce qu'il me propose. Bon, bref. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Elle est complètement déglinguée. Je suis assez triste. Hein. Ok, droite toute. Et est-ce que là, ça pourrait mener vers ce que je cherche? Eh ben non, parce que là, on va passer sur un pont et donc faut que je continue. Ok. Là normalement on est bon. Oh mais là, mais le comportement des fois j'ai du mal, hein. Ah mais même là je me suis chié en fait. Oh là là. Bon c'est pas grave, on va faire le grand tour, hein. Oh, il y a un petit jeton là-haut là. On va peut-être le récupérer. Donc là, il y a un jump. Que je cerne à peu près là. Et on l'a eu. Yes. Bon, 32 sur 100, ça avance. Et je rappelle qu'on est qu'au début du jeu, hein. D'ailleurs, prochain chapitre, on va pouvoir débloquer les premiers upgrades, enfin les mises à niveau pour les véhicules. Et là. Ouais, c'est ça. Oh mais non, mais putain, oh là là. Je sais pas pourquoi elle a contrebraqué. Ok, et là je fais full droite, c'est ça? Ouais. Alors je sais pas trop pourquoi, mais des fois, par exemple, avant ce que je faisais, c'est genre je mettais un coup de frein et vraiment pour prolonger. Des fois je mettais un petit coup de frein à main supplémentaire derrière pour vraiment la faire partir. Sauf que là, bah, au niveau de la direction, elle veut pas. Là voilà, là typiquement j'ai fait ça. Et la voiture a fait de la merde. C'est terrible. Et là voilà, je veux mettre un. Ouais mais vas-y, je veux mettre un coup de frein à main et la voiture ne part pas. Attends mais c'est quoi le problème avec le frein à main en fait? En fait le frein à main est inexistant, j'ai l'impression, sur cette voiture. Bon, l'avantage c'est que j'ai ma voiture réparée. C'est la bonne nouvelle. Bon après j'avoue, c'est pas une voiture faite pour le drift, donc forcément que ça part pas. Mais je la verrais bien partir un petit peu plus. Après faut voir le comportement tout terrain aussi, hein. Hop. C'est là que je voulais aller. Ok, ça bip à droite. En plus, ça, c'est clairement des épreuves à faire avec une tout-terrain. Hein. Oh oui, tiens.
Ouh, le petit 2 étoiles là. Bah, de toute façon, il faut que je remonte pour la pièce. On va le retenter. 60 000. J'étais pas si loin en plus, hein. Ah mais je pilote trop comme si j'étais en course. C'est l'instinct ça. Yes, j'ai eu. Nickel. Alors ça bip à droite. Mais comment ça peut être à droite? Comment ça peut être à droite? Attends, je recule et pour essayer d'avoir le... l'angle qui me montre où est la pièce. Non mais c'est pas possible, il peut pas y avoir de jump. Et une journée qui s'achève sur un coucher de soleil. Je me ferai bien une petite course clandestine. Ah. Ok, si. J'ai capté le délire. J'ai capté le délire. Ah bah tiens, c'est là. Il faut que je passe de l'autre côté. Après j'avoue la Subaru était peut-être un petit peu plus maniable en tant que tout terrain. Mais je suis quand même très content d'avoir ma petite Honda Civic là. D'ailleurs Honda Civic que j'ai aussi acheté en... mais la version 2015 pour la course et pour les missions. Je l'ai acheté en double. Ok. Alors on va d'abord faire ça. Le genou, putain. Ok, double voie qui fait comme ça. D'accord. Alors, ça va pas être par là. Attends, avec la fatigue, je suis amnésique en plus là, c'est terrible. Ah, ce serait pas ça là, par là? Moi, je crois que c'est ça. Moi je crois que c'est totalement ça. Moi je dirais que c'est par là. Ok cool, on a un point de TP pas loin. Je suis tenté et le pire c'est que quand j'ai joué en off, je n'ai pas croisé de caisse à pas. C'est ça le pire. Parce que sinon en off j'aurais pu en farmer. Mais quel connard. Bah j'ai littéralement chié. Ok bon on sait que c'est par là. Ouais faut pas aller trop vite quoi. Ok j'ai compris. Faut pas aller trop vite mais quand même. Yes, les 3 étoiles, nickel. Alors je vais essayer de ne pas passer. Ah c'est bon. Non, comme ça j'aurai pas la pression de faire des drifts comme un fou furieux. Eh ben franchement c'était très mal parti, finalement j'ai eu les 3 étoiles. Mais c'est cool ça qu'il y ait les petites épreuves drift pour les voitures tout terrain. D'ailleurs, j'avais vu aussi qu'il y avait des chronos à faire avec plein de types de voitures différentes. Ok, donc ce serait par là.
Quoi? Je l'ai vu en plus, hein. Le petit feu de camp là. Ouh, il y a même le petit jeton là. D'accord, je peux pas y aller comme ça. Comment je fais pour y aller? En passant par là peut-être? Alors le jeton, faut pas que je le perde de vue. Ok, on a un jump à faire. Pour un jeton de ses morts. Attends, je vais analyser. Tant qu'à faire, je vais attraper le jeton dans la volée. Ok. Je l'ai pas eu. MDR, je l'ai pas eu. Et bah je vais le focus. Merde. Mais là je suis comme un con. D'accord. Ah oui, je suis littéralement comme un con là. Et je suis censé faire comment? Ok, il y a une route, yes. Ouh. Cette route qui mène où? À nulle part. Ah mais peut-être qu'avec ce jump je peux attraper le jeton. Le plan cul. Non. C'était contrôlé. Oh là là. Des sales bails. Oh là là. Ce rattrapage. Alors je suis allé trop vite sur mon premier essai. Yes, je l'ai. Cool. Cool, cool, cool. Bon. Plus qu'une pièce pour celle-là. J'en ai déjà deux de celle-là. Ah non, j'en ai une de celle-là. Et ça, ça me mène carrément vers là. Ouais, mais ça, c'est... Je crois voir où c'est en plus. À peu près. Ouais voilà, il y a ces chronos là à faire. Les épreuves titanes. Il me faut une tout terrain vénère pour la faire. Attends mais... Des poussiérages. Bah attends mais c'est... je l'ai déjà fait celle-là. Non mais je l'ai déjà fait. D'accord. Alors oui c'est par là. C'est absolument par là. Donc ce serait par là. Ok. Attends, pourquoi il n'y a plus de musique? Je me pose la question maintenant. Oui, continue la musique, Michel. On a combien de... On a 40 minutes de VOD. Bon ça va, on a bien avancé. Ah oui non mais 274, je suis limité moi. Hein. Quoi? Non, là-bas c'est une caisse. C'est pas ça que je cherche. Attends, la map elle est comme ça. Ah ou alors ce serait plus par là. Non non, je suis au bon endroit. Ah ou alors c'est en hauteur là-haut. C'est quoi ce que je vois en bleu là-bas? Non, c'est une caisse à butin.
rien à voir avec ce que je cherche. Oh, ça peut pas être par là. Hein. Attendez. Je suis au bon endroit, hein, c'est sûr. Ouais, c'est quand même vachement plus loin que les rails. Ok, il y a le feu là. Non, rien du tout, c'est un lampadaire. Je vais pas m'énerver. Ah, c'est là, yes. Ouais, mais forcément. Putain, mais en fait, c'est toujours aux mêmes endroits. On l'avait déjà récupéré, on en avait déjà récupéré une ici. Non? Ou c'est juste pour une pièce? C'est peut-être juste pour une pièce. Ouais, c'était pour une pièce qu'on avait fait ce jump. Cette dernière pièce devrait suffire à reconstruire la Bel Air 55. Yes. Bon. Alors, ensuite. On est reparti. Alors là, ça zigzague à mort en double voie. Ouais. Je dirais que c'est en haut à gauche de la map. Ok, double voie qui zigzague à mort. Non, ça peut pas être ça. C'est pas ça. Hein. C'est ça? Je suis pas convaincu là. Où ça? Mais oui, mais on avait déjà récupéré une pièce par là. Oh là là. Alors, épave. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est ça. Ok, donc c'est au niveau du zigzag et à côté du chemin. D'accord. Donc ce serait par là. Bon, et à la rigueur, pour le prochain épisode, on va essayer peut-être éventuellement de faire quelques petites caisses à butin. Ce serait cool. Attends, qu'est-ce que t'as à me proposer comme pièce, toi? Alors, faudrait que je change de transmission. Alors, elle est très bien cette transmission. Par contre. Ouais, bah vas-y, on va prendre. Hein. On boost. Je garde mon triplé Chidori. Un turbo Chidori, c'est possible? Ah, ça me ferait vraiment chier par contre de perdre mon bonus Chidori. Bonus Chidori, c'est quoi? C'est. Bonus de frein et... D'accord. Ah, un turbo. Eh ben, il n'y a pas de bon turbo. Ok, donc si je vais par là... Ouais, mais c'est le bad move. Attends. Je vais voir la photo. Ça a l'air d'être sur un chemin escarpé. Donc faudrait que je passe par la, le petit chemin de gauche. Donc c'est à dire plutôt passer par là. Pour me retrouver là. A mon avis il est par là. Ah oui, il est peut-être de l'autre côté. Ah, il est peut-être là. Ouais, bon, autant que je prenne le petit chemin maintenant et puis comme ça au pire si c'est pas ça. Ok, hop, demi-tour. Ah, il y avait quoi là-bas? J'ai eu un truc bleu, bon bref. Oh là là.
Ah mais il y a des caisses à appât partout. C'est dingue. Ok, donc droite, droite. Oh, le petit jeton. Ah mais c'est au-dessus. Comment ça c'est au-dessus? Comment ça c'est au-dessus? Ah oui, non mais là faut une voiture qui bombarde en drift, mais genre vénère. 145 km par heure. Non mais attends, mais ma voiture ne veut plus drifter. Ok, bon, je vais passer au garage après, je vais essayer de la modifier un peu au niveau des suspensions. Non, parce que là, c'est un scandale, hein. Elle ne veut plus tourner. Attends, mais je vais où, là? Oui, d'accord, ok. Ah non, mais là, c'est un scandale, elle veut... Bah j'y vais au frein à main. Bon, et vous savez quoi, l'épreuve de drift, elle est foutue. Donc foutu pour foutu, on va aller faire le panneau. Comment on le fait ce panneau d'ailleurs? Ok, bon, c'est un panneau assez facile. Ouais bah frein à main. Popopopopopop, toi je vais te faire maintenant. Non mais c'est terrible. J'arrive plus. Ok, donc là je continue ma route. Ok. Bon, là par. Ah oui, d'accord, ouais, sûr. Ouais, vraiment. Ok, adieu. Ma vie est nulle. Sur terre, ouais, là ça part en couille par contre. Donc finalement, j'ai peut-être pas la modifier. On va peut-être partir du principe qu'elle est vraiment faite pour le. Pour le tout-terrain et juste le tout-terrain. Après tout, je règle pas une voiture de drift. Non mais c'est chiant là. Du coup, j'arrive plus à la contrôler en tout-terrain, c'est un scandale. Et ben cette épreuve de drift, je pense qu'il faut la faire avec une voiture de course. Et là, il y a un jump à faire. Donc ça m'étonnerait même pas. Que ça soit genre là-bas. Je le tente, hein. J'adore l'écho des moteurs, ouais, c'est ça. Dans les tunnels. La puissance à l'état. Ouh. Ok. Allez, plus que deux. Celle-là, je crois qu'elle est pas si loin que ça. Non, mais attends, on y était, on était à côté. Attends, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis où? Je suis là. Là. Je suis totalement perdu.
Attends, mais ça, ça me dit quelque chose. Bon, la double voix qui fait un U très aplati. Ça ? Je suis pas convaincu. Non, c'est pas ça. Alors, une double voix qui fait un U très aplati. Non, c'est pas ça. Je peux pas m'énerver. Bon, et en même temps, on va peut-être faire comme ça. Là ? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc tout à l'heure, on s'y est téléporté, je crois. Ah, par contre, faut que je me retrouve dans tout ce bordel. Ah, on avait plein de panneaux à faire. Donc, faut que je cherche la fourche. Ah, ce serait pas là. Hein. Ok, bon, j'ai mis le ping et puis on verra plus tard. Ok, go. Et j'ai soif. Bon. Gauche toute. Ok. Bon, tant qu'à faire, je vais peut-être m'occuper des panneaux. Ah oui, d'accord. Ah, attends, je crois que j'ai capté comment on fait le panneau. Donc on y est. C'est juste, hein. J'ai décéléré au dernier moment. Je sentais que ça allait être le plan cul. Non, tu vas pas me dire que ce jump là sert à péter ce panneau là, parce que là par contre c'est abusé. Ouais, d'accord, ok. Je sais pas pourquoi je pose la question. Jette un œil à la voiture de pilote nomade. Ah non, c'est bon. Pas rien. Là ? Non, non. Non, non, c'est bel et bien ce que j'avais dit. Ok. En gros, il va falloir jumper sur une plateforme pour ensuite accéder au plateau. Enfin, au panneau, pardon. Ah bah tiens, on a l'épave. Nickel. Enfin, on a la pièce. Attends, mais ça me semble bien loin de là où j'ai... Ouais, non, remarque, non, c'est là. Et finalement, on n'a pas tant à batailler que ça, hein, pour les collectifs, parce que le jeu nous y emmène. Pour la plupart. Par contre, j'ai vu un truc briller par là-bas. Non, j'ai halluciné. Ok. Allez, encore une. Alors ça, par contre... Ouais, ce serait plutôt au niveau désert début de game. Et il faut que je trouve... un U avec une queue. Visualisation avec une voix ferrée à côté. Un U avec une queue, mais ce serait pas ça.
C'est un peu l'emmerdement ces musiques hein. Mais ce serait ça je pense. En fait le U, je pense que c'est ça. Ouais c'est ça hein. Et donc ce serait par là. Ouais ce serait ça hein. Ce serait ça hein. Tout terrain de 130, un vétéran. Oh non, je vais peut-être me calmer. Alors oui, il y a un truc aussi, c'est que vu que certains pilotes, je les ai déjà affrontés, qu'ils ont bien monté en niveau, bah du coup, quand je veux refaire des épreuves, même si elles sont considérées comme largement faisables par rapport à mon niveau de voiture, je galère parce que les mecs en face sont vraiment vénères aussi dans leur caisse. Elle m'emmerde cette musique. Allez, salut. Ouais, je vais même pas me donner la peine. Et c'est là, ok. Et genre, je peux pas grimper là-haut. Il faut que je passe par là, ok. Bon mais ça va. On va vachement plus vite que les précédentes hein. Et voilà la dernière pièce du puzzle. On va devoir construire la Beetle d'origine. Ok. Alors celui-là j'ai tout à faire. Tant qu'à faire, je vais essayer d'aller quelque part où je suis pas loin. Je dirais que ça, c'est pas loin de ma position. Et je dirais même que c'est vraiment pas loin de ma position. Ok. Ça me parle en tout cas. Ouais, ce serait par là. Si je me trompe pas. Il y a ça. Au niveau du chemin arrondi. Ouais c'est ça. Et ben go. Ah ça va vite, c'est trop bien. Et c'est l'orage kit. Ok, faut que je... Ah ok, le jump est là. Mais ouais, de toute manière, il n'y a pas 36 000 endroits où tu peux te percher grâce à un tremplin, donc... Les endroits sont relativement redondants. Qu'est-ce que je kifferais avoir cette voiture? Putain. C'est une tuerie cette voiture. Mais c'est dur à trouver en bon état. Le truc le plus proche, ça serait. Bon, de toute façon, peu importe. Hein. Au pire. Ok, donc une route qui part vraiment dans tous les sens. Avec un petit chemin à la con qui fait genre tête de serpent à droite. Alors ça va vraiment être le plan cul à trouver. J'irai à gauche de la map. Ok. Oh ça va être l'enfer à trouver ça. C'est pas ça? Ouais c'est ça, c'est totalement ça. Et donc d'accord. Donc ici.
Oh, quel américain. Ah oui, mais je vais être guaqué là, non? Non. C'est quoi cette reprise? Ah oui, d'accord, ouais, c'est... C'est Forever Young, mais... Eux, ils l'ont appelé Together Now. Allez, nickel, hein. Meilleur pilote de l'univers, hein. Je me déteste, hein. Sachez-le. Oh, je suis nul à chier. Enfin, dès que je vais faire des épreuves de drift, ça va swinger. Mais je vais où, là? Oui, d'accord. Et donc, il va falloir que je fasse l'épingle pour remonter. D'accord. Bah vous savez quoi, je vais tenter par là. D'accord. Alors faut m'expliquer là. Je vais tout simplement du dessus pour monter sur la plateforme. Ça me semble très farfelu et contraire à ce qu'on fait déjà dans le jeu. Ou alors c'est par là. Et là il y a un tremplin de la mort par ici, pas du tout. Je vais pas m'énerver. Hein. Ah nickel. Hein. C'était donc un mur invisible. On adore. Hein. J'adore les murs invisibles. Oui, non, là par contre, il me le validait pas, je pète un câble. Très bien. Allez, plus que deux. Alors un chemin très simple. Ce serait plutôt en haut à gauche de la map ça. Ou en haut à droite peut-être. D'accord. Mais attends, mais on avait déjà. On était déjà allé chercher une pièce à cet endroit là. C'est là, non? Moi, je dirais que c'est par là. Je me trompe ou pas? Non, c'est ça. Non, c'est totalement ça. Bah nickel! Ce sera plié en moins d'une heure et demie de VOD. Alors honnêtement, ces voitures là je vais les mettre en une catégorie mais sans vraiment y croire hein, Non parce que bon la coccinelle et ma bite là vraiment des voitures de merde hein. Alors je dis pas hein, peut-être qu'elles sont cool à piloter dans le jeu hein, mais moi ça m'inspire pas hein. Mais j'ai l'impression en fait que dans ce genre de jeu les voitures qui m'inspirent c'est les pires voitures à piloter.
Genre la 350Z, en vrai, j'en suis quand même sacrément déçu. Et même pour le drift, hein. Franchement, Fast and Furious Tokyo Drift, je sais pas, il y a le mot drift dans le nom du film. Tu te dis, bon, le grand méchant, le grand duel à la fin, il y a une 350Z. Mais non. Finalement, les 350Z, c'est pas si bien que ça pour drifter. Hein. Je suis censé chercher quoi là? Trouver. Adieu. Oh, je l'ai eu en plein air. Je l'ai eu et je me suis cassé la gueule derrière. Oh, je suis bloqué. Je me suis bloqué. Non mais c'est... non mais ok, bon, le jeu va nous faire tout le temps revenir. À la fin je vais les connaître par cœur, hein, les spots, hein. Ok, donc double voie qui serpente légèrement et un petit chemin au dessus. Ça serait où ça? Même région, hein. Chemin qui serpente légèrement. Et que des chemins en arrondi à la con. Ce serait pas par ici? Ah, ce serait par là, je crois. Laisse-moi regarder. Tout droit. C'est totalement ça. Alors où exactement? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est par là, ok. G. Ça devait... C'était peut-être horrible, hein, avec le modificateur. Oh, le petit calculateur là. Turbo Shidori, non? Poète, 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 poète. Vraiment, les loot à acheter, c'est vraiment histoire juste d'avoir un niveau. En fait, je pense vraiment pour optimiser, il faut acheter masse pièces avec de la thune pour vraiment monter à mort la caisse que t'as. Et une fois que c'est fait, là tu utilises les échanges pour vraiment avoir de la caisse valable. Enfin, de la pièce valable, pardon. Parce que juste à acheter, les pièces, elles sont merdiques. Elles peuvent être haut niveau parce qu'elles correspondent forcément au niveau que t'as. Mais c'est pas ouf. Ah yes, celle-là on l'avait vu pendant une épreuve. Je l'avais loupé. Voilà, c'est fait. Bonne chose de faite. Mon ping, il est où? Le jour se lève. Le goudron va pas tarder à chauffer dur. Ouais, là... Ah, je vais pas me faire baiser encore une fois. Et c'est là. Bah oui. Parce que là on est parti pour aller en dessous. Ah, et là c'était en hauteur ici. Ça se trouve c'était là. Bon, et du coup je vais essayer de m'intéresser un petit peu plus aussi à toutes les petites épreuves, les chronos et tout qu'il y avait à faire en ville. C'est pas un jeton ça? Mais totalement. Putain, alors là par contre ouais, ce serait vraiment par là, hein. Ah, sinon, c'est ok, c'est là-haut à gauche. J'ai vite fait.
C'est un passage ça? Pas du tout. Ok, bon, déjà définitivement c'est pas par là. Alors soit c'est le big jump. Le big jump de l'enfer. Là je vois qu'il y a un tremplin là-haut. On me dit pas que c'est un passage. C'est un délire successif de tremplin. Ah, parce que si c'est ça les gars, vous avez pété les plombs. Non, 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 c'est pas ça. Ok, c'est bon. Je pense avoir trouvé. Non, pas du tout en fait. Là j'étais convaincu qu'il y avait un talus là où je pouvais sauter. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, si c'est le jump en plusieurs fois là, il y a de l'abus là. Vraiment. Putain, alors là je sèche les gars. Enfin, je sèche. J'ai pas cherché longtemps, hein, mais... Et ouais, la pièce, elle est juste au-dessus de nous, là. Putain! Ah, ça m'énerve quand je suis bloqué comme ça. Ou alors, c'est à partir de ce big rocher, là. Qui n'en est pas... qui n'est... Oh, bah si, non, mais non. Non mais attends, je suis trimar à ce point là. Oh là là. Je suis con à ce point là les gars. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate. C'est vraiment le meilleur stream de l'univers hein. Bon, vu que l'endroit est casse-couille à trouver, il y a peut-être une pièce ou un truc dans le coin là, non? Ça m'étonnerait même pas. C'est génial hein. J'adore les pick-up hein. Tout le monde le sait. Bon mais voilà, c'est fait. Toutes les épaves et leurs pièces. Bon, même si les voitures ne m'intéressent absolument pas. Putain, et en moins d'une heure et demie de VOD. Je trouve ça assez exceptionnel. Où sont les pièces d'épave dont tu m'as parlé? Fais voir. Ok, la Chevrolet, on va la faire pour quoi? Pour le drag. J'y crois absolument pas. Non. Non, certainement pas. Emplacement d'épave. Non mais à chaque fois va falloir choisir épave. Ok, oui non. Non, non, parce que là, non. Allez, la New Beetle. En... la New Beetle, on va la faire pour quoi? Pour la meuf. Pour les quêtes missions. Allez, pour les quêtes missions. Quel enfer. Mais ça, tout terrain. Hein. Non, en plus elles ont l'air d'avoir de la gueule hein, quand elles sont au max et tout, mais non, pas utiliser, non, s'il vous plaît. Le pick-up Chevrolet C10, un grand classique américain. J'en ai rien à foutre. Qui résiste presque aux balles. Bon, la paix. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais échanger avec une autre voiture dans l'entrepôt, faut pas déconner. Donc voilà, la Honda S2000 que j'utilisais au début pour la course. La Honda Civic Type R de 2015 que j'ai acheté exclusivement pour la course.
J'ai pimpé légèrement la Lotus que j'avais acheté aussi la dernière fois qu'on était tous ensemble. Donc j'ai toujours celle-là, c'est bon. Pour les 4 missions, bon, j'ai toujours la Fair Lady 240ZG qui est juste voilà, insane. Et la Honda Civic aussi que j'ai acheté pour les 4 missions. Mais ça du coup, bah oui, je l'ai faite en rose parce que c'est pour la nana. Et du coup j'ai pas du tout upgrade. En fait c'est les voitures que j'ai pas du tout upgrade. J'attends vraiment d'avoir genre bah, de passer les chapitres pour après pouvoir les upgrade, faire une mise à niveau avec de l'argent. Au lieu de, voilà, au lieu d'avoir à batailler. Et on va choisir bah, celle-là. Voilà. Et j'espère que l'autre dégage. Je ne la vois plus. Voilà, c'est bon, nickel. Et oui, je vais vous montrer aussi, du coup, tant qu'on y est, pour finir, le skin Pikachu que j'ai vu quand j'étais avec ma femme et on a vu ça. On était mort de rire. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Le mec qui a fait cette voiture, c'est vraiment pour la 350Z en plus. Vraiment, il a géré. Alors, l'aile avant de la voiture correspond pas trop. Il faudrait que je la change. Il faudrait que je les change, les deux, là. Parce que du coup ça fait doublon avec les aérations de côté. Mais vraiment trop stylé. Et oui, il y avait celle-là aussi. Donc façon Akatsuki de Naruto. Bon, je l'ai pris, hein. Je suis pas très très fan parce que c'est les écritures. En fait, il y aurait juste les nuages et tout, je l'aurais vraiment kiffé. Avec à la rigueur les écritures Akatsuki au milieu si vous voulez. Mais à côté, je trouve que Tobi, Zetsu, Itachi, Conan, Pain, c'est peut-être un petit peu trop. Mais c'est stylé quand même. Et celle-là aussi, je la trouvais très 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 stylée celle-là. Hein. Voilà. Alors que normalement pour moi les 350Z c'est vraiment noir quoi. Enfin faut vraiment et oui j'avais pris cette peinture aussi que je trouvais vraiment propre. Et là par contre je crois qu'on est plus pour la... Ah si il y a celle-là aussi que j'avais prise. Mais vraiment pour moi celle-là elle est juste trop propre. Je la mets comme ça. Mais j'avoue qu'elle a la Pikachu elle est rigolote. Et j'ai juste envie de voir des petites choses pour les personnalisations visuelles. Parce que du coup, on peut... Voilà, on a le diffuseur. Ouh, comme ça, c'est vénère. Et je me tâte à mettre un aileron, en fait. Je me tâte à mettre un petit aileron. Ouais, un petit aileron simple, comme ça, finalement. Parce que de toute façon, c'est pour la course, hein, donc, tant qu'à faire. Ah, il me semblait que j'avais changé la couleur des jantes. Je l'ai pas fait, très bien. Par contre, je ne sais absolument pas où est-ce qu'on met les néons. Parce que j'ai débloqué des néons, mais visiblement, j'y ai pas le droit. Alors, c'est plus tard dans le jeu que je pourrais le faire. Ou alors, c'est dans un autre... peinture et habillage. Ah, dans les accessoires. Accessoires, d'accord. Couleur de nitro. Et il faut que je paye pour l'appliquer. Mais vous m'arnaquez là. Danse arc-en-ciel. Rose candy et mauve. Lion or, vagre. Il faut que je trouve un truc cohérent avec la couleur de la voiture. Je pense que ce serait le rouge. Ou le or. Du coup, je l'ai perdu le néon rouge. Ah d'accord, donc en fait, quand on loot... Oh, c'est stylé. Mais en fait, quand on loot les néons et compagnie, on les a qu'en un seul exemplaire. Donc après, il faut les relooter si on les veut pour notre bagnole. Si j'ai bien compris. Bon, mais ok, c'est cool. Et ben, je vais sortir avec cette voiture. Oui. C'est cool. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on va se retrouver du coup très rapidement pour la suite de ce let's play sur Need for Speed Payback. Je vais essayer de faire un petit tour en centre-ville. Parce qu'il y avait pas mal de petits chronos à la con à faire. Voiture de classe drague requise. Contre la montre. Concession drague. Ouais parce que tous ces chronos on les a fait ou pas finalement. Je sais pas.
Ou au pire, je continue le scénario et nique, hein, parce que j'ai déjà les voitures. Ah oui, on a les caisses aussi, les caisses à butin qui sont marquées sur la map. Et ben, vous savez quoi, je pense que début de prochain épisode, on va se faire les caisses à butin. Parce qu'on a quand même plusieurs activités. Non. Collector, non. Ok, donc c'est si je me mets en épreuve, je les vois. Ok, et il y en a un bon paquet. Donc en vrai, je suis tenté de toutes les faire. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cet épisode. Mais du coup, la prochaine fois, prochain épisode, donc juste après pour le stream évidemment, on va se faire toutes les caisses épaves qui traînent sur la map, histoire d'avoir un petit boost d'argent. Et je crois qu'on a une pièce en bonus en plus. Donc peut-être que je change de voiture pour essayer d'upgrade une autre caisse plutôt que la voiture de course. Je vais faire ça maintenant d'ailleurs. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme voiture? Je vais décider maintenant. 232 celle de drift. On a 231 tout terrain. On a 225 drag. Mais la drag je vais pas piloter avec hein. Je vais l'upgrade je vais l'upgrade manuellement via les boutiques. Sinon on a quoi? Ouais mais les voitures de course, j'en ai déjà à péter, ça sert à rien de m'enflammer. Et on a celle-là qui est un petit peu à la traîne. Donc je vais augmenter celle-là. Je vais augmenter celle-là. Yes. Allez, fin de l'épisode. Des bisous YouTube. Et à très bientôt.